Ah, quelle belle journée! Hey, salut les copains! Est-ce que vous voulez jouer avec moi? Hey, répondez-moi! Pourquoi vous partez? Qu'est-ce qui vous arrive? Hey, restez avec moi, s'il vous plaît! Non, mais pourquoi tout le monde s'enfuit? Hey, oh! Vraiment, y'a personne qui veut jouer avec moi ici? Toi, tu veux bien jouer avec moi, toi, non? Hein? Oh! Ouf. Tu as très bon goût, mon gars! Mais c'est que vous constituez un très bon aliment, allez hop, c'est parti! Je vais tous vous manger! Ok, ça m'a permis d'évoluer, nickel! Je suis maintenant un poisson beaucoup plus puissant! Salut tout le monde, c'est RedKill, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est actuellement sur Hyper Evolution, un jeu dans lequel, vous l'avez compris, nous allons devoir tenter d'avoir les meilleures évolutions possibles. Et dès qu'on aura suffisamment évolué en tant que poisson, on va passer à une tortue, apparemment. Et j'ai vu les images du jeu, apparemment, après la tortue, il y a des dinosaures, bref, ça va partir en vrille complètement. On va passer d'un poisson à la tortue, des dinosaures, des ovnis, j'en sais rien, ça va être n'importe quoi. En tout cas, j'ai très hâte de voir toutes les évolutions qui seront possibles dans ce jeu. Bref, juste avant de manger tous les poissons qu'il y a dans l'océan, je vous demande à tous de mettre votre plus grand pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et nous, c'est parti. Sauf que cette fois-ci, il faut que j'en mange 50, alors c'est parti. Est-ce que les poissons violets me donnent plus? Attention. Ah non, ça me donne autant, mais ils sont meilleurs. Ils ont un goût un petit peu plus sympa. Ah, ça me donne de la vitesse quand je mange. Oh, quand je fais des séries, c'est trop bien. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Je prends un petit peu leur aspiration. Donc du coup, plus que 15 et on va pouvoir découvrir donc la seconde évolution de mon poiscaille. Alors, qu'est-ce que ça va être? Je vais passer de Nemo à Nemo. Ah non, c'était pas le même Nemo juste avant apparemment. Bon, cette fois-ci, il faut en manger 75, mais vous avez vu, je suis beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple maintenant. C'est cool, je suis déjà à la moitié, ça fait plaisir. Vous avez pas voulu jouer avec moi quand j'étais tout petit, maintenant que je suis hyper grand, vous faites comment? Allez donc, évolution suivante, c'est parti, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, alors honnêtement, je connais pas tous les types de poissons, si vous les connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, il y avait le poisson clown juste avant, maintenant là, je sais pas trop ce que c'est. Oh, attendez, maintenant il y a des ennemis? Je peux essayer de le manger ou pas? J'ai peur. Attends, je vais essayer de le manger. Viens, je te mange. Non! Oh, ça m'a fait tout perdre! Bon, ok, maintenant, petit à petit, il va y avoir des ennemis de plus en plus gros, je suppose. Va falloir faire attention, les amis, hein. Bon, bah, très bien, ça me suffit. Il y a les petits ici, tant qu'ils me laissent les petits, c'est le plus important. Ils mangent pas tout. Et pour l'instant, ils ont pas trop l'air de me poursuivre, donc c'est plutôt bon signe. Et c'est parti, nouvelle évolution. Allez, donnez-moi une petite tasse. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un bonus level, sauf que là, ok. Ah, j'ai 30 secondes pour manger un maximum de poissons pour gagner un maximum de thunes. Ça va peut-être me permettre d'avoir des nouveaux skins, je sais pas. Bon, bah, écoutez, c'est parti, on va en manger un max, alors, hein. En 30 secondes, je peux faire quoi? Je peux faire 100 peut-être, 100 petits poissons, allez objectif 100. Là c'est un petit peu mal parti, il reste 10 secondes là. Attention, on arrive à 85, 90, ok. Bon apparemment quand on va devenir un dinosaure, on sera, oh, on est Dory dans le monde de Nemo. On sera en dehors de l'eau hein, quand on sera des dinosaures. C'est plutôt logique. Du coup, on va changer d'environnement, ça sera très stylé. Du coup, je sais pas si, si la tortue sera dans l'eau ou sur la plage par exemple, je sais pas. Il y a des petites clés à collecter apparemment. Ok, on va prendre ça alors hein. En tout cas, je suis tellement gros là maintenant que c'est hyper simple. Oh, alors attendez, parce que je pense que les rouges quand même, ils me pètent maintenant. Ils me continuent à me péter, je suis pas encore à leur niveau. Mais ça va venir, ça va venir. Allez donc, passons à l'évolution suivante, s'il vous plaît. C'est bon, j'ai assez mangé. Plus que deux évolutions et on arrive donc à la tortue. Attention, à quoi va-t-on ressembler? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Attendez. What? Allez, un petit coffre, ok. Oh, j'ai gagné des brins d'ADN. Je crois que ça me permet d'évoluer plus vite. Oh, attention, ils m'ont fait spawn juste à côté de lui. Bon, on découvre notre nouvelle amélioration et oh, apparemment il y a le poisson arc-en-ciel à trouver. Il faut essayer de le choper celui-là. Je sais pas où est-ce qu'il peut être. Et du coup, ça nous permet de gagner deux brins d'ADN directement. Mais il est rapide de fou celui-là que j'ai là. Et en plus, il est vraiment stylé. Petit. Bon alors, on se met. Il est là. Il y en a deux. Let's go. Je le prends. Viens là, toi. Yes. Deux brins d'ADN. Il y en avait un autre là sur la droite. Alors attendez. Oh ben non, en fait, je crois qu'il a disparu. Je vais prendre cela et ça y est. Ok, dernière évolution avant la tortue. Alors qu'est-ce que ça va être? C'est notre dernier poisson, on va dire au revoir au poisson après. Oh, ok, c'est pas le petit rouge qu'on avait tout à l'heure, qui était très stylé là. Enfin, qui est notre ennemi surtout, je crois qu'ils sont encore plus gros que moi encore, hein. On va éviter de les chercher. Mais celui-là est tellement stylé en rose comme ça. Oh, regardez le nombre de poissons qu'il y a. Oh, il y en a tellement. Je vais me mettre trop bien là. Allez là, on va prendre tout ça également. Et on va très vite arriver aux 150 du coup. Sinon, au fond de l'eau, il n'y a pas des petits trésors à trouver là, ça pourrait être cool, non? Non, je crois pas, que le jeu y ait des trésors, non. En tout cas, nous c'est bon, les 150, c'est pour maintenant et on passe maintenant, on change de race, on change pour la tortue. Alors, est-ce qu'on va garder les tortues ensuite? Oh, regardez, on va avoir celle-là. Évolution, il faut 10 brins d'ADN, mais c'est parfait, j'en ai 12, et attention, c'est parti. Oh, comment ça se passe? What? C'est le poisson qui rentre dans la carapace. Donc ça y est, bienvenue à la petite tortue. Oh, c'est marrant, elle met des coups de nageoire comme ça, là, et ça me fait avancer d'un coup, en fait. Oh, c'est...
C'est un peu moins rapide que le dernier poisson que j'avais tout à l'heure, mais écoutez, c'est pas mal. En tout cas, ça mange du poisson, ça fait plaisir. On va ensuite passer sur un rapace, regardez. Oh, attendez, petite méduse que j'ai chopée là. Dès qu'on aura fini les tortues, on va passer sur une petite rapiette là, comme ça là. Alors ça sera peut-être les dinosaures, donc je sais pas, on verra. Ok, nouvelle évolution de tortue, la voici, la voilà. Elle est très stylée, elle est un peu plus renforcée. Mais nous, ce qu'on veut, c'est la plus grosse tortue du monde. Je veux la tortue là, qui a 120 ans là. Ouais, ça va arriver, plus que 30 petits poissons, ça va tellement vite avec ma grosse tête là. Oh, je peux en avaler 10 à la seconde. C'est bon. Ok, petit suspense et... waouh! Celle-là, elle est tunée un peu, elle est beaucoup plus... Oh, regardez, on peut trouver Patrick! L'étoile de mer Patrick, où est-ce qu'il peut être? Il nous le faut, hein, il nous faut des brins d'ADN. Hein. Pour passer en dinosaure, ça sera intéressant. Oh, t'es où, Patoche? Viens vite, Patrick, je vais passer à la prochaine tortue, j'aurai pas le temps de te manger si tu viens pas. Bon, ben tant pis, on n'aura pas Patrick. Hein. Oh, il y en a un là, sauf qu'il faut pas que je mange 9 poissons, sinon je vais changer. Et c'est bien! Voilà, c'est bon. En plus, elle bougeait pas, c'est parfait. Allez hop, je termine ça, plus qu'un poisson, toi tu seras ma dernière victime, voilà. Alors, cette tortue était très stylée. Maintenant, passons à la suite. Et... ah, d'accord, un petit bonus level. Ok, la prochaine évolution, c'est pour après. Bon, est-ce que je vais réussir à avoir plus de poissons avec cette évolution ou en tortue plutôt qu'en poisson? Ah, je sais pas. On est plutôt bien parti, je dirais. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de poissons que tout à l'heure. Je suis déjà à 80. Je crois que c'était mon record tout à l'heure en 30 secondes. Du coup, peut-être les 100 là. Allez, plus que 2 secondes, les 100. Allez, 99, 102. Let's go. Attention. Ok. Ouais, la carapace est sympa là. Allez, petite clé ici. Oh, il y a un crabe à aller choper. Alors, est-ce que les tortues défoncent les poissons comme ça? Je crois pas. Fuis. Ouh, ouh, ouh. Il a failli m'avoir. Je recherche un petit banc de poissons. Vous êtes un maximum au mètre carré, s'il vous plaît? Oh là, il y en a pas mal là. Allez, attention, les 130, c'est pour maintenant. J'espère qu'on pourra se venger des poissons rouges, franchement, à un moment. Ok, plus que 2 et on passe à la petite rapiette qui va être très sympa également. On va sûrement sortir de l'eau, enfin. Oh, regardez comment elle est, celle-là. Elle a une carapace en forme de bouclier, un petit peu comme ça. Ouah, elle est classe, franchement, en vrai. Oh, et elle mange tellement vite. Je suis déjà à 60, juste en allant dans deux bancs de poissons comme ça. Et elle est déjà 100. Bon, ça serait bien de trouver un crabe. Je manque de brins d'ADN. Je vous l'ai dit, je vais en avoir besoin pour mes dinosaures après, moi. Bon, bah tant pis, je suis déjà à 160. 15, j'ai pas trouvé de brin d'ADN. Mais peut-être que j'en ai 10. Ah non, il m'en faut 15. Oh, ok. Bon, j'en récupère un, ça me fait 11. Il faut que j'en trouve 4 absolument à ce niveau-là. Et attention, dernière tortue. Oh, celle-là, elle est carrée, faut pas la chercher. Donc là, il faut trouver les crabes, les amis. Hein. Petit crabe. Alors, est-ce qu'il y en a en haut à droite, là-bas, peut-être hein. Oh, mais je mange tellement de poissons, ça va trop vite. Par contre, j'ai une belle vitesse, franchement, là. Je vais beaucoup plus vite que la première tortue. Bon, en même temps, vu mes bras, franchement... Bon, je suis presque arrivé à 250 et je vais pas avoir le crabe. J'ai trouvé aucun crabe. Vraiment, j'ai pas eu de chance. Ah, il va me manquer des brins d'ADN pour passer à la suite. Ah, il y en a. Non, il y en avait deux, là. Bon, bah tant pis, on va pas pouvoir évoluer, alors, hein. Il faut refaire un tour. C'est parti. Ça y est, j'ai refait un tour en tortue. On va pouvoir enfin sortir de l'eau. C'est parti. Évolution qui n'a rien à voir. La tortue... sortie de l'eau, attention. Oh là, qu'est-ce qu'elle manigance. Ah, d'accord. Oh là 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 là, les animations sont trop sympas. Oh, j'en ai que 20 à choper. Allez, c'est parti. On va choper ces petits trucs là. On va bouffer de l'insecte, je vous le dis, moi. Il y a quelque chose derrière ces petits. Ils vont se cacher derrière ces pierres là. Oh, je peux pas y aller, moi, derrière les pierres par contre. Hein. Venez, petit. Ah oui, donc c'est bien après. Hein. On va voir pas mal de rapaces là. Et ensuite, on passera aux dinosaures. Donc à la fin de celui-là. Oh, là, c'était quoi? Viens là. Nickel. Un petit peu d'ADN, ça fait plaisir. Et attention, les premières évolutions. Rapace. Qu'est-ce que ça peut bien être? Hop là. Ok, un petit peu plus grand maintenant. Ok, donc faut que je trouve des coccinelles. Bon, je suis déjà quand même beaucoup plus rapide. Hein. Bon, bah j'ai pas trouvé de coccinelles malheureusement. Allez, je termine. Ah si, il y en avait une là, juste là. Mince, je l'ai raté. En plus, il va me falloir 18 brins d'ADN là. Donc vraiment, il faut qu'à chaque fois, je chope les bonus. Hein. Je suis obligé. Waouh, ok, il est stylé celui-là. Allez, petite coccinelle avant de terminer. Et oh, est-ce que je l'ai eu ou pas? Oh non, je l'ai pas eu. Je l'ai eu sur le... Je l'ai prise au dernier moment, ça a pas marché. Bon, c'est pas grave, allez, on évolue encore. Ah non, c'est un bonus level. Alors, est-ce qu'on fera plus que dans l'eau? Je pense pas, honnêtement, il y en a pas assez, hein. Oh, là, il y en a pas mal, mais non, ça suffira pas, hein. Ok, 83, je vais faire autant qu'avec le poisson, un tout petit peu plus que le poisson tout à l'heure. Bon, en vrai, ces évolutions-là sont pas ouf, on change surtout de couleur, on grandit un tout petit peu. Vivement les dinosaures, franchement. Ok, avant-dernière évolution, avant les dinosaures, il va me manquer 9 brins d'ADN encore, enfin, 8 en enlevant celui-là. Oh, ben voilà, je viens d'en gagner 3 dans le coffre. Pouh.
Wow. Celui-là est quand même beaucoup plus stylé de tous ceux qu'on a vus. Hein. Allez, du coup, faut que j'en chope 75. Oh, tout autant que le précédent. Bon, maintenant, faut trouver des coccinelles jaunes. Alors, où est-ce que vous êtes, les amis? Bah, allez, dites-moi où vous êtes. Je vais pas vous bouffer. Est-ce que j'ai une tête à bouffer les gens? Ce niveau va se terminer sans trouver une coccinelle jaune, alors? C'est ça que vous me dites? Elle se cache? Bon, bah, tant pis, hein. Allez, voyons voir ce que vaut la dernière évolution. Et là, surtout, il me faut 4 brins d'ADN. Oh là 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 là. Ça y est, en vérité, elles sont très classe, là, les dernières. Bon, là, il faut absolument trouver des coccinelles, hein, sinon j'aurai jamais assez de brins d'ADN. Ok, ça y est, en voilà une. Toi, t'es pour moi. Il faut absolument que j'en retrouve une, s'il vous plaît. Il me faut des brins d'ADN. Je veux passer en mode dinosaure, moi. Non, j'en mange sans faire exprès. Non, 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 plus que 3. Une coccinelle, plus que 2. Non, 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 non. Plus qu'un. Oh là là, oh là là. Non, ok, il l'a mangé, tant pis. Oh non, il manque juste un seul brin d'ADN, dégoûté. Allez, ça y est, on peut y aller. Découverte des dinosaures ensemble. On évolue en dinosaure. Alors, comment ça va se passer? Ok, il va dans la grotte. D'accord, c'est indiqué sur le panneau. Va là-dedans, tu vas évoluer. What? Le gars a pris, 500 kilos d'un coup. Et maintenant, on peut y aller. Alors, est-ce qu'il mange les... Ah, ouais, il mange les fruits. Ça y est, enfin, on va arrêter de manger les autres êtres disponibles. Bon, bah, très bien. Alors, on a un dinosaure vraiment pas très stylé pour l'instant. Mais on va pouvoir le faire évoluer. Et après, oh, un petit brin d'ADN gratos, enfin deux. On pourra surtout passer en T-Rex, apparemment. Donc, allez, on va rusher ça. Hop, prends-moi tous ces fruits, mec. Et attention, première évolution de dinosaure qui va arriver tout de suite. Alors, est-ce qu'on va changer de couleur? Oui. On a un beau dos là quand même, hein. On va pouvoir faire du sale avec ça. Par contre, on va vraiment manger que des fruits. Moi, j'ai envie de manger des insectes. Non, les insectes, c'est pas suffisant. Je sais pas, j'ai envie de manger des singes ou je sais pas. Ok, 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 ok. Waouh, celui-là, il est goldé. Franchement, jeune comme ça, il est trop stylé. Bon, j'ai que 35 fruits à manger, donc ça va aller plutôt vite, pareil. Ça, ça fait plaisir. Il faut trouver des libellules. Ah, ça pourrait être cool, ça, une petite libellule. Oh, il y en a une là-bas. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? What? Quoi? Non, c'était un piège, j'ai perdu de la vie. Ah, faut pas les prendre, ça. Oh, là, il y a des fruits violets comme ça. Ah oui, on peut les manger, c'est bon. Faut juste pas se prendre ces trucs-là empoisonnés. Allez, c'est bon, terminé pour ce dino. Oh non, il y avait une libellule là-bas. Oh, c'est quoi déjà? Oh, il détruit les arbres, en fait. C'est quoi le nom de ce dinosaure, déjà? C'est un Tauronaurus, un truc comme ça? Non, je sais plus. Dites-le-moi si vous le savez, le nom de ce dinosaure. On peut casser les cailloux? Ah non, papa. Enfin, les cailloux, les roches plutôt. C'est un petit peu plus gros qu'un caillou, quoi. Eh bah, je vous le dis, on les aime, les fruits, hein. Je fais que manger ça depuis tout à l'heure. Oh, regardez qui c'est que j'ai vu. Elle, voilà, là, je vais la choper. Y en a trois, voilà. Et c'est bon, on termine avec celui-là. Plus que deux avant de passer au T-Rex. Et là, ça rigole plus parce qu'ils sont beaucoup plus puissants, je crois, les T-Rex. Enfin, en tout cas, ils sont plus rapides que celui-là. Bon, on a le même. Je crois que c'est le même. Il a juste changé de couleur, quoi. Oh, il faut trouver un papillon arc-en-ciel. Oh, il doit être trop stylé. Laissez-moi le trouver. Oh, on peut casser les roches maintenant. Viens là, toi. Bah, 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 bah. Bon, quelle satisfaction. On faisait pas ça tout à l'heure avec le premier dinosaure. Encore moins avec le petit rapace au début. Il y a un papillon. Il est là, juste derrière l'arbre, on le voit pas, mais on l'a bouffé quand même. On n'a pas besoin de le voir pour le bouffer, on s'en fout. Allez, 60, c'est bon. Dernière évolution. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être le même, mais en doré ou quelque chose comme ça? Ah non, c'est le même en plus gros et en vert. Alors qu'est-ce qu'on peut casser maintenant? Parce que je pouvais déjà tout casser. Est-ce que je peux casser plus que ce que je peux casser maintenant? Ben non, puisqu'il n'y a rien d'autre. Yeah. Bon, c'est génial, Red Kill, de tout casser, mais bon, faut quand même manger, c'est le plus important, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est bon! Terminé, passons maintenant au Tyrannosaure. Ok, pressé de voir ça. Comment je vais évoluer, là, comme ça? Oh, j'ai assez, déjà, directement. J'ai assez de brins d'ADN. Comment je vais évoluer, là? Ah, avec un petit œuf. Stylé. Allez, vas-y. Il en prend soin, il va éclore tout seul. Ah, qui c'est qui va sortir? Regardez, un petit Red Kill. Un petit Red Killonosaurus. Alors, est-ce que celui-là, il pète les arbres déjà? Ah, ça y est, on a changé de nourriture là déjà. Est-ce qu'on peut péter les arbres déjà? Non. Ah, on les fait bouger, mais on les casse pas. Et il faut trouver des œufs aussi. Oh, regardez le petit dinosaure là. Hop là, toi, tu seras ma proie. Et voilà. Bon, j'en ai 5 à manger comme ça, ça va aller assez vite. Quoique, il n'y en a pas beaucoup, hein, des dinosaures, là, comme ça. Oh, après, on passe en écureuil, what the fuck? Ça devient n'importe quoi. Allez, les œufs, on prend ça. Ah, les œufs, ça m'a nourri aussi, apparemment. Évolution du Red Killonosaurus en... Violetnosaurus. Est-ce que je casse les arbres, maintenant? Non, toujours pas. Ok, 150 amis. Ouh, le voilà, le Red, le vrai Red. Oh, attendez, regardez, il y a...
Il y a le boss final de... Ah, laisse-moi me poursuis pas, il est fou celui-là. Va attendre là. Mais il est ouf celui-là. Je peux... Oh là là, mais il me suit. Partez les amis, partez. Mais je vous bouffe quand même. Bon, on ira le chasser tout à l'heure quand je serai un petit peu plus gros quand même. Hein. En tout cas, c'est bon, on a déjà terminé avec le rouge malheureusement. Je voulais rester en rouge moi. Et on passe, attention, à un vert peut-être. Hop là. Ah, un bleu custom. Avec une tapisserie sur lui. Pareil, suspense, pareil, Wouh, tout ce qui a bouffé partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui a tué tous les dinosaures, mais qui les a pas mangés, en fait. Il y a que des restes de dinosaures partout. Ça doit être quelqu'un de végétarien. Ben là, je pense qu'avec toute cette bouffe, je vais passer... Voilà, là, je suis beaucoup plus gros, là. Oh, une petite clé, parfait. Il faut que je trouve des champignons, hein, ça va être important. Hop, mais en tout cas, là, je les bouffe. Il faut que j'en mange que 15, hein. Je suis hyper rapide, là, franchement. Par contre, je peux toujours pas péter, non. Ah, si je peux. Attendez, je vais essayer. Je t'attaque. Hop là. Oh, je lui ai enlevé une vie. Oh, je lui ai enlevé toutes ses vies. Wow, il m'a donné 5 viandes, ça c'est parfait. Je peux détruire les arbres maintenant. Ok, ben on commence à être plutôt pas mal. Ça serait bien de trouver des champignons quand même. Oh, il y en a un autre là-bas, un autre boss. Est-ce que pareil, je peux le détruire lui? Viens là, petit. Oh, en plus, il y a un petit champignon ici. Hop, parfait. Plus 2 brins d'ADN. Allez, toi, je te mange. Oh, je lui ai fait 2 coups. Je lui ai fait 2 coups en 1. Hop, on prend tout ça et on termine. Oh, il me faut 31 brins d'ADN. Oh là là, c'est pas mal hein, pour aller à l'écureuil. Régresser au final. Hein. Ok, très sympa celui-là. Bon, il faut trouver d'autres champignons maintenant. En tout cas, ouais, mon petit dino là, en violet rose. Franchement, il rend bien. Ça fait plaisir. On va aller se taper un boss. Attention, ma proie est juste là. Je vais te manger. Bah, hop là. Allez, on va dire au revoir aux dinosaures. Ou avant ça, on va avoir une dernière évolution. Oh là là, regardez-moi ces yeux trop stylés. Attends, je vais essayer de vous les montrer. Oh, les yeux là, on les voit un petit peu. Oh, po. Il est stylé. Allez, on va terminer avec lui. On passe ensuite à l'écureuil. Mais en quoi l'écureuil va-t-il évoluer? Oh, je one-shot les boss maintenant. Bon, par contre, là, c'est terminé, mais j'ai suffisamment pas... Ah mince, il y avait un petit os, j'aurais dû prendre. J'aurais pas assez d'ADN. Bon, comment on va faire? On va aller les farmer ailleurs. Bye, dino. Oh. Mais c'est une souris ou un écureuil, je comprends pas. Ça y est, les 31 brins d'ADN sont en ma possession. Voyons voir l'amélioration possible. Ok, mon dinosaure. Oh, mince, il faut partir, les météorites. Oh, il a poussé la tête. Oh. Mais regardez, ne serait-ce pas l'âge de glace? Mais si! Oh, mais c'est une petite souris, c'est loin d'être un écureuil du coup. Bon bah parfait, on a donc cette nouvelle amélioration qui peut passer en singe apparemment. Ok, bon bah ramassons les petites noisettes. Les noisettes dorées là? Il m'en faut 10. Une noisette rose? Trop stylé. Hop. Hey, j'arrive pas à la ramasser. Viens là. Hey, pourquoi elle n'arrive pas à la prendre? Je suis peut-être trop petit. Ça y est, on est devenu un petit peu plus gros. On est un rat maintenant. Mais qui mange les noisettes également. Et qui va pouvoir passer à la suite. Oh, ça s'enchaîne bien sur ces niveaux-là. Là. Attention, qui c'est qui va suivre? Hop là, l'écureuil, enfin. Eh ben les noisettes, elles se cachent plutôt bien. Hein. Venez là, vous deux, je vous ai vu. Alors, est-ce que lui, il peut prendre les noisettes roses? On va voir. Non, toujours pas, elles sont bloquées, celles-là. C'est incroyable. C'est dommage, il va me falloir des brins d'ADN pour passer en singe. Bon, bah tant pis, on verra ça plus tard. Alors, voilà. Eh, regardez ma nouvelle évolution. Qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, c'est un très bon rongeur, hein. Oh, il y a 2 blocs de glace énormes. Je peux passer dedans. Ils vont se refermer sur moi, je le sens. Comme dans l'âge de glace. Non, ça va, je suis passé. Il y en a un autre là. Mais c'est génial, ces petits trucs là. Oh, il y en a plein, il y en a plein. Ah, mais il y a que ça en fait. Allez, plus que 2 avant le singe. Mais avant, on va avoir 2 améliorations très sympas, je suppose. Oh, attendez, il y a ça à faire d'abord. Waouh. Qu'est-ce qu'il est classe. Il est trop beau en bleu blanc comme ça, franchement. Pour toutes les noisettes qu'il y a au même endroit là. Ouais, on se met trop bien. Oh, j'adore ça, les noisettes. Niveau 51 complété. Passons à la suite. On a fait 51 niveaux ensemble aujourd'hui, les amis. Oh, regardez, c'est Scrat. C'est Scrat de l'âge de glace. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Alors, lui, il chope une noisette et il veut surtout pas la perdre. Bah, là, il a de la chance, il y en a partout. Hein. Vas-y, Scrat, passe là-dedans. Attention que ça se referme pas sur toi. Non, c'est bon. Très, très bien. Bon, j'aurais pas assez de brins d'ADN là, malheureusement, pour passer en singe. Mais allez, je vais aller en récupérer et on se retrouve juste après pour le singe. Ok, c'est bon. Passons maintenant au singe. Et comment ça va se passer cette fois-ci? Je sais pas. Où est-ce qu'il se dirige? Ah, oh, il va manger des bananes. En mangeant des bananes, il va devenir un singe. Ok, ah non, juste en les voyant. Ben oui, comme ça il peut les manger. Parfait. Et ensuite, on va passer en homme de Cro-Magnon. Allez, mange des petites bananes, mon ami. Et à mon avis, on va finir par être un humain et peut-être plus. Bref, moi en tout cas, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si jamais vous voulez la suite de ce jeu, je vous demande à tous de mettre 30 000 pouces bleus et je vous ferai la suite jusqu'à l'humain. Sur ce, on se retrouve à la prochaine. Salut à tous, c'était Red Kill. Bye tout le monde.